Said you bangs to your thing, boy. Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui c'est jour de gourmandise. Et en ce jour de gourmandise, si je vous parlais de confiture de giraumont, de pâte brisée et de génoise, qu'est-ce que ça vous évoque? Eh ben aujourd'hui je vous propose de réaliser un tourment d'amour à la confiture de giraumont. Avant de continuer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et laissez un like à cette vidéo. Et pour réaliser ce tourment d'amour à la confiture de giraumont, il vous faudra pour la pâte brisée de la farine, du beurre, de l'eau, du sel, de la cannelle et de la muscade. Et pour la génoise, il vous faudra des œufs, du sucre, de la farine, de la vanille liquide, de l'amande amère, du rhum, du zeste de citron et de la confiture de giraumont. Au niveau des ustensiles, il vous faudra 3 bols, un batteur électrique, 2 cuillères, une spatule, un rouleau à pâtisserie, une plaque de cuisson, des moules à tartelettes, une assiette et un couteau. On a tout ce qu'il nous faut, c'est parti pour la recette. Alors les amis, est-ce que cette recette vous a plu? Est-ce qu'elle vous a donné envie de la reproduire? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors cette petite confiture de giraumont, on peut la retrouver en Guadeloupe dans les grandes surfaces. Moi, pour ma part, c'est ma tati qui me l'a achetée. Alors les quantités de cette recette, vous en avez pour environ 12 tartelettes ou 2 grosses tartes. Pour cette recette, j'ai utilisé un pot de confiture de giraumont d'environ 300-330 grammes.
Rien ne vous empêche d'adapter cette recette à votre goût en y mettant la confiture de votre choix. Et n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil à ma recette de tourment d'amour au coco et à la confiture de goyave. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à la partager, j'attends vos commentaires, abonnez-vous à mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, et n'oubliez pas, la gourmandise est un vilain défaut ou pas. Bye bye.